comment ça a commencé. Je sais plus. J'ai eu peur. Peur qu'on s'aperçoive que j'y arriverai plus. Je suis très engagée dans mon travail, moi. Ils disent qu'on est en manque de personnel, qu'il faut répartir le travail, d'accord. Mais je peux pas tout faire, moi. C'est moi que ça dure. Qu'est-ce qu'il a, celui-là? Il veut prendre ma place ou quoi? Il faut pas qu'on s'en aperçoive. Je dois rester sereine. Pardon, mais... perte de sens, de reconnaissance, je sais pas. Je vais travailler. Je vais travailler plus, mais pardon. On commence à me dire que je suis pas assez performante, que je ne vais pas assez vite, que j'y arriverai pas, que je suis peut-être pas à ma place. Pas à ma place? Ils veulent me virer ou quoi? Mais c'est pas ça. J'aime donner le meilleur de moi-même dans mon travail. Mais dans ces conditions, j'y arriverai plus. Assez, ça suffit. J'ai besoin de respirer. J'ai besoin d'air. Je m'en vais. Je me rendais compte de rien, à vrai dire. Je perdais la mémoire. Voilà, c'est ça. J'avais du mal à retenir le moindre truc. De plus en plus de mal à me concentrer. On me demande de faire 1000 choses à la fois, d'aller le plus vite possible, de toujours répondre dans les 5 minutes. La nuit, je me réveille en nage avec des palpitations à cause de mes angoisses. Le matin, je pleurais à la table du petit déjeuner. Si on me disait quelque chose, une remarque, j'en sais rien. J'éclatais en sanglots. Il ne me reste rien de ma joie de vivre. Et pourtant, j'aime ça, la vie. J'ai commencé à péter les plombs. C'est exactement ça. Mes plombs ont pété. La panique. Le manque total de la contrôle. La panique. Je ne peux plus respirer. Je ne peux plus penser. Mes plombs ont pété. C'était comme si la partie la plus ancienne de mon cerveau, cette partie reptilienne, s'était mise en instinct de survie. Stop. Elle crie stop. Mon corps s'arrête. Mon corps n'en peut plus. Mon corps dit stop. Stop. Plus vite. Rendement. Le rythme est trop intense. Avec cet objectif toujours. Optimisation de la performance. J'entendais que ça. J'en rêvais la nuit. J'ai peur de perdre mon poste. Mais moi, comment mon travail m'élève? Comment ça m'identifie quelque part? Ça a une valeur aussi ça, non? J'ai commencé à devenir très fatiguée. J'ai dormi plus ou très peu. Le soir, j'ai ramené du travail à faire à la maison. Même les week-ends. Tout me rendait en colère. J'étais extrêmement irritable. J'avais des crampes, des douleurs d'estomac. J'avais plus de goût à rien. Je ne suis pas quelqu'un de fragile. Moi, je voudrais donner le meilleur de moi dans le travail. J'aime ça le travail. C'est ma vie. Je ne veux décevoir personne. J'ai un grand besoin de reconnaissance. Mais ma vie privée a été changée par mon travail. Je me suis mis à changer sans m'en rendre compte. Quelque chose se développait en moi sans que je m'en rende compte. Je considérais qu'il était tout à fait normal de travailler de 7h du matin jusqu'à 23h. C'était comme si j'étais prisonnier d'une toile d'araignée que j'avais moi-même tissée. Je suis arrivée bien à l'heure au bureau. Oui, j'étais bien à l'heure. Je me suis garée dans le parking souterrain. Et puis, plus rien. Impossible de sortir de la voiture pour monter à l'étage. Je ne pouvais pas sortir de la voiture. J'ai resté là toute la matinée. J'ai même pas éteint les phares. J'étais complètement paralysée derrière mon volant. Vite, une sorte de bug. Je ne contrôlais plus rien.
Je faisais un burn-out. Oui, c'est ça qu'ils ont dit. Burn-out. J'éprouvais un horrible sentiment de culpabilité. Le burn-out, syndrome d'épuisement professionnel, fait des dizaines de milliers de victimes en France. Et de plus en plus fréquent chez les jeunes. Il faut pouvoir parler librement du burn-out en entreprise. Le burn-out,